Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Qu'en pense Internet. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne, mais bon, vous savez que c'est pas mon activité principale, donc j'en fais un petit peu quand ça me chante. Et ça faisait aussi un petit moment que je voulais parler du port du masque sur ma chaîne, parce que voilà, je vois passer plein de choses, je vois passer plein de personnes qui, on va dire, titillent un petit peu ma susceptibilité en tout ce qui concerne la santé publique, bien que je sois loin d'être un expert dans le domaine. Je suis juste là, du coup, pour donner, on va dire, quelques réactions et puis quelques analyses. Aujourd'hui, autour d'une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est donc un... Comment on pourrait appeler ça? C'est pas un scientifique, hein, pour le coup, parce que s'il était scientifique, je pense que je ne parlerais pas de lui aujourd'hui. C'est un conférencier, voilà, qui est formateur en développement personnel, consultant et vidéaste web belge, selon Wikipédia. Il est connu, voilà, pour avoir des positions conspirationnistes dans tout ce qui touche à la médecine, un petit peu à la Thierry Casasnovas, à la Christian Talchaleur et autres personnes, voilà, du même milieu, pour ne citer qu'elle en tout cas. Je suis tombé donc sur une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur récemment, voilà, aujourd'hui même, pour être tout à fait exact, et un petit peu par hasard, je l'ai regardé et je me suis mis à prendre des notes et je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo parce que il y a beaucoup de choses à redire sur tout ce qu'il dit. Pourtant, la vidéo de Jean-Jacques fait un quart d'heure. Moi, la mienne, je pense qu'elle va faire une petite heure. Allez, on est parti. Je vous montre tout ça. Et puis, comme je vous dis, j'ai pris quelques notes. Le principe de Qu'en pense Internet, c'est de... Alors, au départ, c'était de prendre des réactions de personnes, de commentaires sur les réseaux sociaux, puis de commenter un petit peu tout ça pour essayer d'apporter des choses un petit peu plus factuelles. C'est un format qui est toujours en rodage, hein. Au bout du deuxième épisode, on peut pas dire qu'on ait trouvé déjà le format idéal. Mais bon, quand bien même, voilà, aujourd'hui on part d'une vidéo, on va l'analyser, et le but aussi du Qu'en pense Internet, c'est de faire les recherches ensemble dans la vidéo pour que vous voyez que c'est assez simple de faire ce genre de recherche. Pour ma part, j'ai quand même déjà préparé quelques petites choses que j'ai mises dans un coin. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous allez voir que faire des recherches sur Internet, ça n'a rien de bien compliqué. Et puis, bah, du coup, que c'est même utile, hein, de vérifier ces informations quand on va passer des fois des énormités pareilles. Allez, on est parti, disais-je. Je lance la vidéo et on écoute ça. Alors, bienvenue à vous, tous les endormis, les moutons, les pigeons, les autruches. J'ai préparé une petite vidéo pour vous. Puisque vous êtes encore convaincus que nous sommes dans une vraie pandémie et que tous ces lanceurs d'alerte sont des psychopathes conspirationnistes, j'ai réservé cette petite vidéo pour vous et pas pour les autres. Donc les autres, si vous avez compris les messages que je vous ai envoyés depuis 5 mois et demi maintenant, eh bien cette vidéo ne vous est pas destinée et donc inutile sous cette vidéo de vous offusquer. Ce n'est pas à vous que ça s'adresse. Alors, je m'arrête déjà ici parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Jean-Jacques, je vais m'adresser déjà à toi directement. Permets-moi de t'appeler Jean-Jacques. Tu sais, on n'a pas gardé les moutons, les pigeons ou les autruches ensemble. Mais si tu tiens à faire passer un message à des personnes, la moindre des choses, c'est de ne pas commencer par les insulter, hein, parce que ça fait plaisir à personne de se faire traiter de moutons, de pigeons et tout ce qu'on veut, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la conspiration, hein. Quand bien même il y a une conspiration dans tous les cas, hein, et quand il n'y en a pas, bah voilà, ça fait plaisir à personne. On voit un mépris, il affiche un mépris, hein, il s'en cache pas du tout. Mais bon, sans parler d'insultes, hein, pour commencer, qu'est-ce qui lui permet d'adopter du coup un tel positionnement avec autant d'aplomb? Qu'est-ce qui lui donne autant de confiance en ce qu'il va raconter? Non seulement il méprise les personnes à qui il souhaite s'adresser, mais il méprise les dizaines, voire même les centaines de milliers de scientifiques qui se penchent sur le sujet, et parce que visiblement, lui, il a la réponse. La réponse. Sur tout ce qui touche à la pandémie, au masque, etc. En conséquence, hein, de tout ça, pour quelqu'un qui voudrait diffuser largement son message, si tant est que ses arguments soient prouvés, vérifiés, et tout ce qu'on veut, bah, il s'y prend déjà extrêmement mal. Générique de la vidéo. Je dois reconnaître que j'ai pas compris pourquoi des biches comme ça, des fans. Peut-être pour le côté un petit peu nature. Donc, conversation du lundi. Alors, je précise une chose, je suis tombé, comme je disais, cette vidéo par hasard sur Facebook, dans un groupe Facebook.
Je n'ai pas retrouvé la source même de la vidéo parce que Jean-Jacques Crèvecœur s'est fait retirer sa chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que YouTube a enfin décidé de retirer sa chaîne considérant qu'il propageait de fausses informations, si je ne dis pas de bêtises. Alors je ne sais plus si la décision vient de YouTube ou du gouvernement. Néanmoins, je pense que c'est un bon début et puis bah, il faudrait effectivement maintenant s'occuper des cas de Thierry Casasnovas et tous les autres qui font beaucoup de mal à l'esprit critique des gens qui se posent des questions sur la santé publique. Donc on continue. Alors je ne sais pas si je dois vous souhaiter la bienvenue dans cette petite vidéo qui sera assez courte finalement. Non mais le mépris du gars, hein. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter la bienvenue. Mais si tu veux nous faire passer un message, sois accueillant quoi, parce que sinon ta vidéo c'est sûr qu'on la ferme direct, je ne sais pas. Bon, continuons parce que cette vidéo je sais qu'elle va durer bien plus longtemps que la sienne. Petit effet Brandolini, hein, et il faut 10 secondes pour affirmer une énormité, mais 2 heures pour pouvoir la démonter. Donc bon, allons-y, continuons. C'est une vidéo que j'avais envie de vous adresser à vous, qui êtes convaincus que les médias mainstream vous donnent des informations fiables et objectives, dénuées de conflits d'intérêts, à vous qui êtes persuadés que les instances de santé publique font le maximum pour protéger votre santé, pour protéger ceux que vous aimez. Alors, plusieurs choses à dire. La première, pour ce qui concerne des médias, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que lui appelle un média mainstream. Parce que, naïvement, comme ça, on aurait envie de citer des journaux comme Le Monde, Ouest France, L'Express ou je ne sais trop quoi d'autre, des radios comme RTL, France Info, et puis des chaînes de télé comme TF1, RMC, BFM ou je ne sais trop quoi. Quels sont ses critères, lui, pour qu'il qualifie un média? Lui, je vais le mettre dans la case mainstream, lui, je vais le mettre dans la case « ça m'arrange bien comme média ». Sur quels critères il se base? Ensuite, comment est-ce qu'il juge que l'information qu'il va recevoir de tel ou tel média est fiable? Avec quels outils? Parce que, petit rappel quand même, hein, c'est pas la provenance de l'information qui définit son niveau de fiabilité. Je le redis. C'est pas la provenance de l'information, c'est pas sur quel média elle est diffusée qui fait que l'information va être fiable ou non. Ce n'est pas ça, donc pourquoi se baser juste sur le côté mainstream d'un média? Et enfin, autre petite chose concernant les médias, comment est-ce qu'il peut présupposer que les personnes à qui il souhaite s'adresser, et qui selon lui sont visiblement mal informées sur le sujet qu'il veut aborder, comment est-ce qu'il peut présupposer que ces personnes font déjà 100% confiance aux médias qu'ils consultent pour s'informer de façon totalement aveugle, et puis vas-y, on écoute, on ingurgite tout. C'est de la caricature déjà de l'auditoire à qui ils souhaitent s'adresser. Et ensuite, donc, il parle des instances de santé publique qui font le maximum pour protéger notre santé. Alors oui, c'est leur objectif, contrairement à ce que Jean-Jacques dit. Parce que si c'était pas le cas, comment est-ce qu'on pourrait expliquer aujourd'hui qu'on soigne bien mieux tout un tas de maladies qu'il y a un siècle et même encore avant. Enfin voilà, l'évolution, elle est quand même assez remarquable, notamment sur la longévité aussi, hein, des personnes qui s'accroît avec le temps. Alors, je vous partagerai des sources en commentaire de cette vidéo, et notamment donc une page Wikipédia qui parle de l'espérance de vie humaine, que vous pourrez consulter. Voilà, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à lire, notamment bah, l'évolution au travers du temps. Et c'est très sourcé. Et donc, avant de dire « Ouais, c'est super, il nous cite du Wikipédia », bah maintenant, je crois que c'était Monsieur Sam qui avait dit ça, essayez de me trouver un outil meilleur que Wikipédia qui regroupe autant d'informations, autant sourcées, avec autant de remises en question, etc., etc. Voilà, ça permet déjà quand même de juger d'un bon niveau de fiabilité comparé justement à l'époque où Wikipédia n'était pas du tout fiable parce que les informations n'étaient pas spécialement relues, n'étaient pas spécialement sourcées, etc., etc. Aujourd'hui, ça a bien changé tout ça. Vivons avec notre temps. On continue. Je m'adresse à vous qui êtes convaincus que ceux qui dénoncent un complot mondialiste ourdi par une petite minorité, une minuscule minorité de psychopathes milliardaires, eh bien que ces gens sont vraiment dérangés. Alors, j'ai oublié de préciser une chose, parce que je repense à ce qu'il disait avant. Il a fait aussi un petit appel à l'émotion là, pour parler des instances de santé qui
soigne les personnes que l'on aime, comme il a dit. Sous-entendu hein, dans tout ça que, voilà, on vous dit qu'on va vous soigner vous et les personnes que vous aimez, et c'est faux, et puis bah, tout de suite appel à l'émotion. Ah mince, comment je vais faire du coup pour soigner ? Je caricature moi aussi, hein, mais c'est pour que vous compreniez bien la démarche de ce monsieur, que vous compreniez bien que lui, il dit, les instances de santé disent qu'elles soignent vous et qu'elles vous soignent vous et les proches que vous aimez. Moi, je vous propose autre chose de mieux pour les personnes que vous aimez. Et évidemment, pour les personnes qu'on aime, on veut le meilleur. Donc, c'est pour ça que, voilà, il est là et est en train de dire ça. Bon. Bref, on continue. Je sais que la vidéo va être longue. Donc, il faut qu'on avance un petit peu. Je m'adresse à vous simplement pour vous encourager à continuer ce que vous faites. Alors, là, il vient de faire quelque chose de très important parce que ça va être ça tout le long de la vidéo, mais alors tout le long, il adopte un ton ultra sarcastique, limite cynique. Vous allez voir, c'est pour ça qu'il a dit qu'il a tenu à être clair au début et qu'il a dit qu'il ne s'adressait pas aux personnes qui ont confiance en lui, parce que histoire que son message soit bien compris. On commence un petit peu à devoir se justifier de ça, c'est quand même un peu limite. Donc je vous encourage aujourd'hui à continuer à porter le masque, mais je vous encourage surtout à aller plus loin dans votre démarche parce que je trouve que vous n'en faites pas assez. Alors oui, évidemment, porter le masque dans des lieux publics fermés, ça me paraît une évidence élémentaire quand on est dans une menace pandémique comme celle que nous vivons actuellement, avec pratiquement zéro mort par jour, c'est sûr. Alors, je précise, hein, il est toujours dans le sarcasme, dans l'ironie, dans tout ce que vous voulez, mais pas du tout dans l'honnêteté, quoi qu'il en soit. Parce que lui, évidemment, ne pense pas du tout que ça soit utile de porter un masque en intérieur, et il va dire pourquoi durant toute la vidéo. Je reviendrai sur ce graphique plus tard, parce qu'il le ressort en fait plusieurs fois, donc je reviendrai dessus à la dernière fois où il le sortira, parce qu'il y a quand même quelque chose d'important à relever dedans. Et si vous l'avez noté maintenant, tant mieux pour vous. Mais sinon, ouais, on en parlera plus tard. Alors donc, il remet en cause hein, le caractère pandémique du Covid-19 en expliquant que le nombre de morts baisse et il s'en sert pour justifier que le port du masque est donc inutile. Alors, moi j'ai envie de dire une chose, est-ce que ça serait pas justement parce que la majorité des personnes restent prudentes, heureusement, que du coup le nombre de morts et le nombre de cas surtout baissent. Parce que voilà, même si on entend beaucoup parler des gens qui sont un peu tatillons sur le masque, qui refusent de le mettre, ou voilà, qui se posent tout simplement des questions, qui ont un peu peur pour leur santé, qui ont un peu peur d'étouffer, voilà, il y a plein de choses, plein de questionnements qui se font. Mais globalement, la majorité des gens aujourd'hui ont compris que le port du masque était quand même essentiel. Et par conséquent, voilà, c'est un petit peu aussi grâce à ça et grâce aux gens qui sont, on va dire, restés quand même relativement sérieux tout le long, sans trop de relâchement, on va dire, que bah, ça a permis quand même de faire une baisse importante du nombre de cas graves, en tout cas. Je dis pas que c'est directement lié, mais je dis que ça a aidé. Le virus, en tout cas, lui, il en est pas moins dangereux parce qu'on porte des masques, hein, soyons bien clairs. Seulement, on apprend à le connaître un peu plus chaque jour, ce virus. Hein, tous les jours, on a des nouvelles infos sur le Covid-19. Et donc notre niveau de connaissance n'est pas du tout le même qu'il y a quelques mois, il n'est pas le même qu'hier, il n'est pas le même que la semaine dernière, on apprend tous les jours. Et on sait bien mieux aujourd'hui le diagnostiquer, le prendre en charge, et on sait aussi bien mieux s'en protéger aujourd'hui qu'avant le confinement, où il y avait encore beaucoup de gens qui pensaient que c'était qu'une petite grippette, hein, et donc ils ne voulaient pas croire que le Covid-19 pouvait être quelque chose de dangereux. Donc la protection reste essentielle, hein. Si tout le monde arrête de se protéger, donc CF, les chiffres des USA qui sont pas bons, mais alors pas bons du tout, qui sont un très bon exemple en la matière du coup, les contaminations là-bas, elles sont reparties de plus belle parce qu'ils ont déconfiné trop tôt, et bah, j'ai envie de dire aussi qu'on fait les chiffres en France, hein, où hein, donc bah, y a eu un petit laxisme qui s'est fait ressentir en juin, juillet, et qui fait qu'aujourd'hui les chiffres sont un petit peu en train de repartir à la hausse et qu'on essaye de tout faire pour éviter qu'on se retrouve dans la même situation que pendant le confinement, finalement. Donc, le virus, lui, il n'est pas moins violent parce qu'on porte des masques. Il ne faut pas confondre la virulence du virus avec la contamination. Hein, le masque, ça sert à protéger les êtres humains, mais le virus, lui, il est toujours là. Hein, pour l'instant, il est loin d'avoir disparu. On continue. Qu'il faut continuer à porter les masques. De la même façon que
vous avez bien fait de ne pas porter des masques au mois de mars et au mois d'avril, au moment où il y avait le plus de morts, puisque sinon, vous auriez fait mentir les autorités de santé publique. Alors, j'aime bien parce qu'il fait des pauses assez longues dans ses phrases pour pouvoir faire pause au bon moment, donc c'est très pratique. Il indique donc que si on avait porté le masque voilà, en mars, avril, mai, pendant le confinement, on aurait fait mentir les autorités sur les chiffres de l'épidémie. Or, le confinement reste, entendons-nous bien, bien plus efficace qu'un masque. Parce que voilà, si on n'est au pas contact des personnes qui sont les plus vectrices, je ne sais pas si ça se dit, mais vecteurs en tout cas de la maladie, plutôt que d'en croiser effectivement, croiser plein de personnes dans une journée, il y a une différence entre rester chez soi et puis sortir faire des courses, aller voir des potes, etc., etc. Mais bon, aujourd'hui, le but de notre société, c'est de faire tourner l'économie. Et donc, porter le masque reste un moyen qui présente de bons bénéfices pour ne pas se désociabiliser et surtout ne pas ralentir l'économie parce que bah, ça peut être dangereux. Donc, petit rappel quand même utile, on peut être contre le paradigme capitaliste hein, de notre société, ça c'est une question politique, mais en attendant de faire bouger les choses, bah, il faut bien vivre avec. Donc, parce que c'est avec ça qu'on arrive à produire et à vivre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, les questions économiques, même si on aurait envie de faire des changements parce qu'on s'est rendu compte qu'une pandémie pouvait complètement mettre à mal le capitalisme de notre société, pour l'instant, on vit encore dedans, on vit encore avec. Donc on attendra peut-être que la crise soit finie et ce sera peut-être là qu'il faudra se poser les bonnes questions. Tant est que cette crise se finisse un jour. Par ailleurs, Jean-Jacques, il oublie également un élément essentiel, hein, on diagnostiquait pas les cas de Covid-19 autant au début du confinement qu'aujourd'hui, et les gens du coup se contaminaient beaucoup plus facilement les uns les autres, parce que bah, on ignorait encore beaucoup de choses sur le Covid, on n'avait pas de masque en France, donc on pouvait pas en porter systématiquement comme aujourd'hui. Et on se contaminait aussi, et aujourd'hui encore, on se contamine sans le savoir parce qu'on peut être porteur sain de la maladie. Donc c'est pour ça qu'il faut rester quand même très vigilant. Et donc rappel, hein, le Covid-19 peut être dans de nombreux cas un virus asymptomatique. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ça. Et donc moi, si ça se trouve, à l'heure où je vous parle, peut-être que je suis porteur sans le savoir. Il faut aussi noter une grande inertie dans cette maladie et les effets des mesures prises et puis des moyens mis en œuvre et des comportements des populations, cette inertie, ça fait que les effets de tout ça, c'est réellement visible à environ J+15. C'est pour ça que du coup, le confinement, une fois le confinement bien établi, on a commencé à avoir une inversion de la courbe, une très légère inversion de la courbe du nombre de cas 15 jours après. C'est pas rien. Et 15 jours, pourquoi ? Parce que le virus, il met un certain temps à développer des symptômes pour les personnes qui sont infectées. Il y a un très long temps d'incubation, donc forcément, bah, ça joue sur l'inertie. Et c'est ça un petit peu tout l'enjeu de la prise en charge de ce virus. On continue. Vous auriez fait descendre la courbe d'épidémie et la courbe de mort beaucoup trop vite. Donc, bravo à vous de ne pas avoir porté le masque en mars et en avril 2020. Et bravo à vous qui portez le masque maintenant. Ça me paraît du civisme élémentaire. Oui, c'en est. Mais, vous savez, on l'a démontré maintenant. D'ailleurs, j'ai entendu un scientifique de seconde zone qui s'appelle Denis Rancourt, qui a fait toute une méta-étude sur toutes les études à propos de l'efficacité des masques et qui dit qu'on a compris maintenant comment les virus se transmettent. Et en fait, les virus se transmettent dans des très fines gouttelettes qui peuvent aller même d'un océan à l'autre, d'un continent à l'autre, peuvent traverser l'océan. Donc en fait, ce sont les dernières études qui ont expliqué depuis 2010 comment les virus se propagent d'un continent à l'autre. Alors, je fais pause du coup là encore, parce que du coup ça c'est quelque chose qui m'a interpellé. Je vais expliquer pourquoi. Donc je vais lire mes petites notes et puis après on va faire une première recherche ensemble. Donc il dit, hein, pour résumer, qu'une gouttelette d'eau contenant une charge virale pourrait se rendre d'un point A à un point B sur une distance pouvant représenter un océan entier. Et qu'il y a des études depuis 2010 qui expliquent comment les virus se propagent d'un continent à un autre. Bon, peut-être, pourquoi pas, du coup on va faire la recherche là-dessus, on va parler de ce Denis Grandcourt, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est une affirmation pour moi déjà qui est faite
de façon assez péremptoire et bancale pour tenter de discréditer l'utilité du port du masque. Ça, c'est mon interprétation personnelle, donc qui vaut ce qu'elle vaut. Mais bon, toutefois, Jean-Jacques, il cite un scientifique, Denis Grandcourt, qui aurait fait donc une méta-analyse sur la façon dont le virus se transmet. Donc j'aimerais aller voir du coup cette analyse, voir un petit peu de ce qu'elle dit. Et donc il faudrait vérifier les propos de ce scientifique pour s'assurer que Jean-Jacques n'ait pas interprété son discours de travers. Parce que cette affirmation, elle semble quand même assez extraordinaire de se dire qu'un virus est capable de voyager d'un bout à l'autre de la Terre. Et donc pour voilà, ça paraît complètement extraordinaire pour être véritable. Et en sachant que du coup la transmission aérienne du Covid-19 ne fait toujours pas consensus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même... on est sûr que ça se transmet voilà, par contact, mais par aérosol, ça fait encore débat. Faut savoir aussi une autre chose, hein, que tous les virus ne se transmettent pas de la même façon. Hein, donc par gouttelettes, par contact, dans l'air, par d'autres voies, hein, voies fécales, etc. etc. On ne peut pas faire de généralisation ici et transposer cela au Covid-19 si facilement si le propos de ce professeur est de dire que certains virus traversent les océans. Est-ce qu'il parle du Covid-19? Je ne sais pas. Jean-Jacques il fait aussi la démonstration bah, qu'il finalement, il ne connaît pas grand-chose à la biologie et à la médecine, hein, parce que tous les virus ne sont pas logés à la même enseigne. Donc, à partir de ce moment-là dans la vidéo, notre niveau de vigilance va être encore plus élevé par rapport aux affirmations qu'il donne. Du coup, bah, voilà, il parle d'études aussi depuis 2010. Je ne sais pas s'il y a toujours Denis Grandcourt qui s'est penché là-dessus. Mais peut-être qu'il y a eu d'autres scientifiques qui se sont penchés là-dessus, on aimerait donc savoir de quelles études il parle. Si tant est qu'il n'ait pas un jour lu un papier dans un coin, qu'il ait peut-être un petit peu mal compris, qu'il ait lu en diagonale, il a dit « Ah ouais, c'est bien, ça va dans mon sens ». Donc non, on n'en sait rien. Et donc si le virus il était véritablement transporté par le vent et s'y résistait au voyage, parce qu'il faut tenir quand même compte de cela aussi, hein, que tout le voyage d'un virus tout au long d'un océan, c'est quand même un sacré voyage. Les îles françaises auraient, elles, été aussi contaminées au Covid-19 au même titre que le reste de la population française au moment du début du confinement à peu près, sauf qu'à ce moment-là, bah, c'était pas encore le cas, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait des îles qui étaient encore très peu touchées et puis qui se sont confinées, qui se sont dit non, venez pas nous voir, nous on n'en veut pas. Aujourd'hui, je crois que malheureusement, ça s'est un petit peu homogénéisé partout. Mais le fait est que ces îles-là, au départ, n'avait rien, donc a priori il s'agit pas juste de dire que le virus il traverse l'océan pour aller contaminer d'autres gens. Je pense que si ça avait été le cas, la transmission aurait été beaucoup plus rapide. Je veux juste revenir un petit peu en arrière dans la vidéo, parce que je veux voir de qui il parle exactement. Je veux juste m'assurer voilà, de Denis, alors je l'ai appelé Grandcourt, non c'est Denis Rancourt. Donc on va chercher cette étude, Masks Don't Work, A Review of Science Relevant to COVID-19 Social Policy. Alors c'est bien hein, de mettre un screenshot comme ça, hein, mais bon, bah, vu que c'était une vidéo pour le coup qui a été re-uploadée dans un groupe, je ne sais pas si Jean-Jacques avait mis ses sources. J'en doute un petit peu. Nous allons regarder ça. Denis G. Rancourt. Alors, déjà, qu'est-ce que nous dit Wikipédia ? A été un professeur de physique à l'Université d'Ottawa, actuellement employé comme chercheur indépendant par une association OCLA, acronyme d'Ontario Civil Liberties Association. Déjà, me dire que son domaine, c'est la physique. Je dis pas que ça allume, on va dire, une petite loupiote, on va dire pas rouge, mais orange dans ma tête. Parce que je me dis que c'est pas la biologie, c'est pas l'épidémiologie, son domaine de formation. Mais alors voilà, je vois des informations qui me sautent aux yeux et qui me font bondir de ma chaise en même temps que je suis en train de parler, puisque je vois... Attendez, je reprends le début de la phrase. Il est plus largement connu d'une part pour ses démêlés avec son ancien employeur, l'Université d'Ottawa, à propos de questions liées à la manière de noter les élèves et à ce que l'on a appelé le squat académique, acte de changer arbitrairement le sujet d'un cours sans l'autorisation du département concerné de l'université Tumeton, et d'autre part pour ses prises de position, souvent à contre-courant sur les médias sociaux, déni du réchauffement climatique, donc déjà mauvais point pour lui,
ou de l'utilité du port du masque et des mesures de distanciation physique dans le cadre de la pandémie de Covid-19. J'ai bien envie quand même d'aller lire ces études, hein, parce que pour voir quand même ce qu'il en dit, hein, parce que j'ai pas envie de faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, mais ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vous-même de retrouver cette étude que je pense mettre en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre avis, mais en mettant quand même une alerte. Attention, cette étude vient d'un scientifique qui va plutôt à contre-courant du consensus, et que le consensus est quand même quelque chose de plutôt fiable en science. On continue, parce que ouais, si je m'attarde sur la recherche de la méta-analyse sur cet article-là, dont on n'est même pas sûr finalement que ce soit une méta-analyse, que ce soit fiable et tout ça, donc faudrait aller voir dans le détail, mais si je le fais maintenant, vous voyez, on est loin d'avoir fini, on est à 3 minutes et des brouettes sur 13-17 à l'heure qu'il est, on est loin d'avoir fini, et comme je disais, je pense que la vidéo va faire une heure. Donc on continue, je vous inviterai à faire les recherches en question, et puis si jamais cette vidéo commence à faire un petit peu parler d'elle et que ça commence un petit peu à débattre, peut-être que j'apporterai un complément. Mais en attendant, continuons. Qui peuvent aller même d'un océan à l'autre, d'un continent à l'autre. On l'a déjà vu, hein, mais on va reprendre à peu près de là où on était. Ce sont les dernières études qui ont expliqué depuis 2010 comment les virus se propagent d'un continent à l'autre. Alors, juste une chose, du coup, ce qu'on s'est arrêté là, que je veux rajouter quand même, c'est il dit ce sont les dernières études depuis 2010 qui parlent de la propagation des virus. Ce sont sans doute les dernières études que lui a lues et qui ont été dans son sens. Je suppose qu'il y a eu plein d'autres études qui n'allaient pas dans son sens à lui, hein, vu ce qu'on a vu sur le professeur Rancourt. Continuons. Et donc, ça veut dire que la distance de 2 mètres, mais elle n'est absolument pas suffisante, puisque nous sommes baignés dans des millions de virus en permanence. C'est quand même difficile à vérifier sans matériel. Hein. Puis affirmer de la sorte, on ne peut pas faire confiance à Jean-Jacques Crèvecoeur, je suis désolé. Dire qu'il y a des millions de virus qui nous entourent, moi personnellement, je ne sais pas si c'est vrai, je ne connais pas la charge virale de mon entourage, mais admettons, de mon environnement, je voulais dire pas de mon entourage, mais admettons, si ce qu'il dit est vrai, on est en droit de penser à deux choses. Notre corps possède d'excellentes défenses immunitaires et notre corps n'est pas nécessairement sensible à l'ensemble des virus. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Et autre précision à garder en tête quand même, hein, il ne faut pas oublier qu'un virus, c'est un organisme qui est minuscule, bien plus petit même qu'une bactérie qui est déjà minuscule. Juste garder ça en tête et se dire voilà que ces petites choses-là, traverser des océans, laisse quand même perplexe. Donc attendez, bon, c'est... Les gouvernements s'est foutu de votre gueule en vous disant que 2 mètres, ça suffisait. Oui, ok, 2 mètres, ça suffit pour les postillons. Mais 2 mètres, ça ne suffit pas du tout pour ces micro-gouttelettes qui transportent l'essentiel des virus. Alors, je ne sais pas si Jean-Jacques a des notions de physique, mais effectivement, il n'a pas tout à fait tort. Dans le sens où, oui, quand on va être proche de la bouche d'une personne qui parle ou même qui respire, on va nécessairement prendre plus de postillons et de micro-gouttelettes qu'en étant loin. Je sais pas, je trouve quand même que ça sonne faux, ça n'a pas de sens. Parce que dire comme ça, affirmer avec un tel aplomb que 2 mètres de distance, ça ne suffit pas... mais quelle expérience en fait il a réalisé pour pouvoir affirmer cela, hein, parce que moi je vois très bien les vidéos en 3D qu'on peut voir des fois où quand on parle on voit une espèce de flux qui sort de la bouche et tout ça, et on voit très bien que la majorité des particules quand même s'échappent de la bouche à une distance jusqu'à environ 2 mètres effectivement, mais forcément plus on s'éloigne, moins on a de charge virale, c'est physique quoi, c'est mathématique, c'est-à-dire que on va le représenter à une plus grosse échelle. Vous lancez, vous avez dans les mains une centaine de balles de ping-pong, vous les lancez toutes devant vous. Bon, bah, elles vont atterrir, je sais pas, moi, peut-être à 3, 4 mètres, 5 mètres. Mais une personne qui a 10 mètres, elle va peut-être en toucher une ou deux, bah, ça sera pas assez pour la contaminer. Donc, quelle expérience, lui, il a réalisé pour affirmer cela?
parce que c'est une expérience qui peut facilement se réaliser en laboratoire, hein, de contrôler un petit peu les flux d'air qui sortent de la bouche ou du nez d'une personne, en observant tout ça. Et il oublie aussi que plus on se situe loin d'une personne, c'est ce que je disais, donc je reprends mes notes en même temps, hein, moins ce que la personne expire nous atteindra directement, puisque les flux partent dans tous les sens et majoritairement en subissant la gravité. En intérieur, entre parenthèses quand même, parce qu'en extérieur, bon bah forcément il peut y avoir un petit peu de vent, mais bon, autrement, le vent va disperser encore plus les flux. Hein. Autrement dit, la charge virale reçue par un individu sera d'autant plus grande qu'il sera proche d'un autre individu contaminé et sans masque, et donc il vient bloquer, et ce masque qui vient bloquer du coup une grande partie des gouttelettes. Le temps d'exposition d'ailleurs joue également, parce que plus on reste longtemps, on reprend notre exemple avec une personne qui lance des balles de ping-pong sur une autre. Il prend une poignée de 100 balles de ping-pong, il les lance, il y en a deux qui vont toucher à personne en face, il prend une autre poignée de 100 balles de ping-pong, il les lance, il va y en avoir 3 qui va toucher à personne en face. Voilà, le temps d'exposition, ça joue également. On continue. Et qui peuvent être transportés par les vents d'un continent à l'autre. Donc, soyez cohérents. Portez votre masque aussi en rue. Portez vos masques à la plage. Portez vos masques à la montagne, de grâce. C'est grâce à vous qu'on va endiguer cette pandémie mortelle qui fait 2 morts par jour pour l'instant. Alors, je précise, hein, il est toujours sarcastique, hein, parce que lui, il ne croit pas à la pandémie, hein, il ne croit pas à l'efficacité du port du masque. Rappel, hein, le virus, lui, il est toujours là, hein, et c'est justement parce que l'on se protège plutôt bien, a priori en tout cas, que les chiffres ne sont pas plus dramatiques. Hein, l'épidémie, elle n'est pas terminée pour autant. Et moi, pour ma part, oui, je vais continuer de porter mon masque dans les lieux publics pour protéger les autres. Rappelons que c'est un acte qui n'est pas égoïste, mais bel et bien altruiste, hein, qui est là pour protéger les autres et pas pour se protéger soi. Alors, oui, je pense à autre chose en même temps avant de le laisser continuer de parler. Les masques en lieu public, ce qui compte, c'est, parce qu'il, enfin, je repense à ça, c'est qu'il était en train de dire portez-en à la mer, à la montagne, etc., etc. C'est pas le lieu qui fait qu'on va porter le masque ou pas, c'est l'affluence de personnes. C'est sûr que si vous croisez personne dans la rue, vous allez pas choper le virus, hein, parce qu'il se transporte pas dans l'air comme il dit, enfin, ça, on l'aurait su, on l'aurait entendu quand même depuis le temps. Non. Si vous, par contre, vous avez plus de chances de choper un virus si vous allez dans une rave party où il y a 5000 personnes qui sont collées les unes aux autres et puis qui vont se contaminer les unes les autres parce qu'il y en aura eu au moins une dans tout ça qui aura chopé le virus. Tout ça, c'est physique, c'est mécanique, hein, c'est même pas de l'ordre de la biologie. On continue donc. Et plus loin, parce que la ventilation de votre voiture, elle transporte des virus aussi. Ah oui, oui, alors il a été vérifié peut-être, hein. J'en sais rien. Néanmoins, il faut pas là encore, hein, mettre tous les virus au même plan parce que peut-être, hein, que certains virus sont véhiculés par les ventilations de voitures, admettons, mais il faudrait s'assurer que les charges virales soient suffisantes. Et déjà, imaginons, hein, il y a une grosse charge virale devant votre pare-choc pendant que vous roulez sur la 38, je sais pas, qui se promène, voilà, sur l'autoroute, admettons. Ces virus, ils vont rentrer dans le système de ventilation de votre voiture. Ils vont être aspirés par la voiture. Ils vont devoir résister au circuit de la voiture qui passe plus ou moins par des flux de chaleur et tout ça. Bon, je connais pas trop la mécanique des voitures, donc je vais pas trop, trop affirmer de choses, on va dire, mais il faut quand même que ces virus résistent au circuit de ventilation de la voiture. Puis qu'ils résistent aux filtres à air, parce qu'il me semble bien qu'il y a des filtres à air aussi dans la voiture. Et qu'enfin, ils parviennent en nombre suffisant pour contaminer le conducteur. Enfin, représentez-vous un petit peu. Il continue d'être sarcastique, on est bien d'accord. Mais il essaye en même, d'un côté d'être hyper sarcastique et d'un autre côté de vouloir faire confirmer ce que dit le scientifique, comme quoi le virus se propage absolument partout à travers les océans et que du coup, si on veut être cohérent avec tout ça, ça peut même traverser la ventilation des voitures. Non, c'est du grand n'importe quoi. Il essaye de démontrer l'absurdité de porter un masque pour se protéger d'un virus qui est véhiculé dans l'air, avec un argument du coup qui est encore plus absurde, et en partant du principe faux que le Covid-19 est omniprésent dans l'air qui nous entoure, et en partant d'un mode de transmission qu'il considère lui comme véritable. Son procédé, c'est extrêmement fallacieux.
Parce que c'est avec un tel discours, en fait, basé sur du cherry-picking de quelques éléments vrais et recoupés avec d'autres éléments interprétés, voire même carrément faux, qu'il construit tout un discours de désinformation. D'ailleurs, c'est comme ça que la meilleure désinformation se produit, hein, c'est en se basant sur des vraies choses et puis en ajoutant un petit peu notre sauce par-dessus de désinformation. On continue. Si ça veut bien, donc, voilà. Mettez un masque dans votre voiture. Comment est-ce qu'il faut vous le dire ? Pas si ça convient des gens, hein, ce genre de truc. Suivez cette recommandation d'un officiel de la ville de San Antonio qui dit « Si on veut éviter la seconde vague, parce que c'est quand même ça qui s'en vient, portez votre masque à l'intérieur de vos maisons. » Voilà enfin quelqu'un de bon sens dont j'avais envie de relayer l'information aujourd'hui, c'est de grâce. C'est pas tout à fait faux, encore une fois. Pourquoi ? Alors, déjà, chez soi, dans sa propre maison, ça sert à rien, parce qu'on est suffisamment en contact longtemps avec ses proches pour que les virus se transmettent plus facilement si une personne est contaminée et qu'elle ne le sait pas encore. Parce que figurez-vous que si une personne est atteinte de la Covid-19, du Covid-19, hein, je sais pas pourquoi je dis là, parce que j'étais contre le fait de mettre au féminin, mais on s'en fout, peu importe, c'est pas le propos. Si une personne est contaminée et sait qu'elle est malade du coronavirus, il y a tout un protocole qui est mis en place pour l'isoler chez elle ou pour transporter cette personne dans un hôtel. Mais, hormis ce cas mis à part, les personnes qui sont suffisamment en contact chez elles pour que le masque, à mon avis, ne suffise pas, parce qu'il suffit juste de dormir avec votre moitié, de passer toute une nuit sans savoir que l'un ou l'autre est malade, forcément, enfin, la contamination va être quasiment inévitable. Donc bon, c'est sûr que chez soi, ça ne sert à rien. Par contre, chez les autres, ça serait peut-être pas un mal. Parce qu'il s'agit aussi d'un espace clos et pas forcément bien ventilé. Et donc, bah, au même titre, quand on va travailler, là, il y a des lois qui sont en train de passer, enfin, je crois que c'est des lois, hein, qui sont en train de passer pour dire que dans les entreprises, ça va être rendu absolument obligatoire partout. Dans un espace clos avec des personnes que vous fréquentez peu, qui ne savent pas elles-mêmes si elles sont malades ou pas, ça serait pas un mal parce que voilà, vous les protégez. Enfin, il s'agit toujours de protéger les autres. Hein. Il s'agit pas de se protéger soi. Nous sommes bien d'accord. Pour se protéger soi, il y a la distanciation, il y a le lavage des mains. Le masque, c'est pour protéger les autres. Et par conséquent, si vous voulez pas le refiler à votre grand-mère, il y a des problèmes cardiaques ou des problèmes déjà de respiration, c'est peut-être aussi bien de porter un masque. Hein, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, bah Jean-Jacques, lui, il oublie complètement qu'il y a d'autres gestes barrières qui sont efficaces, comme le fait de se laver les mains correctement. Ça, il ne le dit pas du tout dans la vidéo. On continue. Portez un masque dans votre maison. Je me demande d'ailleurs comment vous pourriez faire pour manger. Mais il existe des solutions en intraveineuse ou alors des solutions liquides. Vous savez, les mélanges liquides là, qu'on prévoit pour les sportifs, ben, achetez ça, mettez une paille à travers votre masque et mangez votre nourriture sous forme liquide à partir de maintenant. Et tant que vous y êtes, portez le masque aussi, bien entendu, en dormant. C'est complètement moqueur, méprisant et tout ce qu'on veut. Hein. Encore une fois, il n'a pas besoin d'essayer de me convaincre parce que je sais très bien. Enfin, je vais expliquer pourquoi à la fin de cette vidéo, je sais pourquoi lui raconte. Enfin, pourquoi j'ai pas confiance en son discours. Je vais pas dire qu'il raconte de la merde, mais que moi, je n'ai pas confiance en son discours. Mais c'est pas avec un mépris pareil qu'il va réussir à convaincre les personnes que ce que lui dit est juste, quoi. Parce que parler de faire un trou pour mettre la paille dans le masque, c'est complètement con, parce que si les gens sont convaincus que porter un masque, c'est censé les protéger, on va pas faire un trou dedans. C'est débile. Il va convaincre personne, quoi. Donc je sais pas ce qu'il cherche à faire exactement, mais c'est complètement stupide comme démarche. Comme ça, là, vous faites une œuvre utile. Donc ça, c'est la première demande que je vous fais. La première recommandation, c'est allez-y, mais allez jusqu'au bout de la démarche. En fait, c'est complètement stupide de s'arrêter au lieu public fermé.
Surtout quand on connaît effectivement cette étude de 2010 qui a démontré que c'était transmis par des gouttelettes qui sont en suspension. Parce que les grosses gouttelettes des postillons, effectivement... Alors, je m'arrête ici parce que je veux revenir là sur les lieux publics et puis j'avais fait d'autres notes sur les postillons qu'il a commencé à évoquer. Non, c'est pas stupide de s'arrêter aux lieux publics. Parce que déjà, faut savoir, hein, Jean-Jacques, que pour chaque décision qui est prise par les personnes compétentes en la matière, on étudie les bénéfices et les risques. C'est observé, on les mesure, et on sait que ces mesures, elles évoluent au cours du temps, surtout dans une situation comme actuellement. Et dans un lieu public, on ne peut pas savoir si l'on va croiser quelqu'un de malade. Et qui s'ignore peut-être, hein, parce que rappelons que c'est une maladie qui est quand même relativement asymptomatique pour beaucoup de gens en tout cas. On ne peut pas savoir si soi-même on est contagieux. Il convient donc de respecter les gestes barrières, avant tout pour protéger les autres. C'est primordial, quoi. Et il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'un acte qui est altruiste et non égoïste. On continue. Bon, à cause de la gravitation, tombe par terre. Et ça, c'est tout à fait vrai, hein. Par contre, les fines gouttelettes sont tellement fines qu'elles restent en suspension, hein. C'est ce qu'on appelle l'humidité relative de l'air. Et donc ça, même à 2 mètres de distance, vous n'êtes pas protégé. Alors voilà, donc il parle de la différence entre les postillons qui seraient sensibles à la gravité et les micro-gouttelettes qui résistent à la suspension, qui résistent en suspension dans l'air, pardon, et qui constituent du coup l'humidité de l'air. Selon lui, donc on n'est pas protégé à cette humidité latente. Il faut savoir que, bah oui, effectivement, les positions d'une personne malade ont mécaniquement... les postillons, pardon, d'une personne malade ont mécaniquement plus de charge virale qu'une micro-gouttelette, ça ne fait aucun doute. Mais si ce qu'il dit est vrai, qu'est-ce qui empêche une micro-gouttelette de se rendre dans des endroits ailleurs que sous le nez d'une personne saine, hein? Parce que je rappelle qu'on parle de micro-gouttelette et que nécessairement, il y a quand même moins de charge virale à l'intérieur d'une micro-gouttelette que dans un postillon. Donc du coup, est-ce que même si cette micro-gouttelette vient se positionner sous votre nez au moment où vous inspirez, est-ce que ça va suffire pour vous infecter? Parce que je rappelle qu'il ne s'agit pas d'avoir un seul virus du coronavirus pour être malade. Hein. Il faut une charge virale. Il faut considérer un virus comme une population dans son ensemble et pas comme un seul virus qui va contaminer les gens. Donc forcément, des postillons dans l'air... Oui, moi, je dis... ce qu'il dit, c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que vous voyez, il dit bien... Oui, ça, en plus, c'est vrai. Hein. Comme s'il avait besoin de confirmer ses propres informations qu'il sait être vraies, et du coup, bah, que tout le reste, il a pas besoin de rajouter, ça c'est vrai, hein, voyez un petit peu, c'est un peu pernicieux quand même. Hein. Écoutez, je sais pas quoi en juger de plus, parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, et on est loin d'avoir fini de l'analyser, donc on continue. Ça va? Bon, alors? Non, ça va pas. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est que vous dénonciez systématiquement les gens qui ne portent pas de masque parce que ce sont des irresponsables. Moi, je ne porte pas de masque et effectivement, c'est irresponsable, c'est criminel. C'est à cause de gens comme ça qu'on va avoir une deuxième vague, bordel de merde. Vous savez, c'est comme les gens qui ne se vaccinent pas. Alors, je m'arrête ici parce qu'il va parler des vaccins et là, il y a encore un gros morceau qui arrive. Oui, c'est irresponsable hein, de ne pas porter son masque ou de mal le porter, hein, parce qu'on rappelle quand même un masque. Pour porter un masque, pour que ça soit efficace, il faut que ça recouvre le nez, la bouche, le menton, et que les élastiques soient correctement mis, voilà, que ça soit bien pincé au niveau du nez et sous les yeux, pour que ça soit efficace. Donc oui, c'est irresponsable de ne pas porter son masque, encore plus que de mal le porter. Mais je dirais que mal le porter, soit ça vient d'un manque d'information, quelqu'un on peut pas en vouloir aux gens, soit ça vient, on va dire, plus d'une gêne. Je ne veux pas remettre en cause les gens qui ressentent des gênes respiratoires, parce que ça peut potentiellement arriver, et auquel cas je pense que le mieux c'est de consulter son médecin pour savoir ce qu'il en pense. Mais quand ça vient de personnes qui veulent juste le porter pour ne pas avoir d'amende, là c'est complètement malhonnête et ça revient au même. Donc la majeure partie quand même de la population n'a pas la science infuse. Jean-Jacques Crèvecoeur y compris. Par conséquent, et par respect pour la population et pour ses semblables, il convient donc d'adopter une attitude responsable et respectueuse, et pour n'importe quel point, mais la santé en fait partie.
et ne pas porter de masque, ça revient un petit peu comme à rouler à 110 sur une route toute droite limitée à 70 km/h parce que YOLO, il n'y a pas de danger, c'est tout droit, je peux bien me permettre de le faire. La plupart du temps, effectivement, ça se passe bien. Mais le jour où il y a un piéton qui se pointe ou un animal qui débarque, et ben les conséquences elles peuvent être plus graves. Juste parce que la personne au volant n'avait pas adopté une attitude responsable face aux autres. Et choisir de ne pas porter un masque, c'est manquer de respect du coup aux personnes qui ont choisi de le faire par prudence, par respect des autres, et parce qu'ils ont confiance en les autorités de santé qui savent mieux qu'elles ce qui est bon pour elles. Et d'ailleurs, petit questionnement aussi, est-ce qu'il a été constaté les effets de l'absence du port du masque dans des populations qui ne l'obligent pas? Parce que ça aussi, on pourrait être en droit de se poser, pour se demander, est-ce que ce que lui affirme comme étant inutile, est-ce qu'il a été le constaté chez les autres pour vraiment s'assurer que ça l'est inutile? Quelle différence il a pu observer? Je me le demande. Je ne suis pas sûr qu'il ait été ailleurs dans les pays où c'est pas obligatoire, et où il y a un certain nombre de cas quand même. Je ne suis pas sûr qu'il ait été vérifié. Donc on continue là sur l'histoire des vaccins. Les gens qui ne se vaccinent pas, c'est eux qui sont responsables des épidémies mortelles et qui mettent en danger les gens qui se vaccinent. Quoi ? Ah oui, les gens qui sont vaccinés, normalement, sont protégés. Alors là, on voit qu'il ne connaît absolument pas le fonctionnement des vaccins. Donc on va revenir là-dessus. On précise, hein, il est toujours dans le sarcasme, ça vire complètement au cynisme, là, comme s'il s'adressait du coup à quelqu'un qui était en train de lui faire une remarque hors champ et qui était censé avoir, selon lui, le savoir absolu. Mais Jean-Jacques Crèvecoeur ignore complètement ce que c'est qu'un parapluie vaccinal, hein, ce qu'on appelle, parapluie vaccinal, et ce qu'on appelle plus justement l'immunité grégaire. Alors l'immunité grégaire, elle peut s'atteindre de deux façons dans un groupe quand il y a une maladie qui se propage. Soit en laissant les gens se contaminer, et donc avec beaucoup de pertes humaines généralement, soit justement en vaccinant les populations, et par conséquent, le fait que les personnes sont suffisamment protégées, les maladies ne se propagent pas. Alors, je vais reprendre mes petites notes quand même. Ce que je disais dans mes notes, c'est que si l'ensemble d'une population est suffisamment protégée, il n'y a pas de problème, on est d'accord, parce que le virus, il n'a aucun endroit où se développer. Mais cependant, pendant qu'on a le parapluie au-dessus de la tête, là, le parapluie vaccinal, la pluie, elle continue de tomber. Le virus, il est toujours là, hein, il disparaît pas. Alors, il y a quelques rares maladies qui ont disparu grâce à une campagne de vaccination suffisante, mais pour la majorité des maladies qui sont encore aujourd'hui traitées par des vaccins, le virus est toujours présent, hein. Étant donné que la majeure partie de la population est vaccinée aujourd'hui, forcément le virus ne trouve pas son petit chemin et donc il ne contamine pas les personnes les plus fragiles. Mais il suffit qu'il y ait une poignée de gens qui décident de faire un trou dans ce parapluie pour que les personnes qui sont habituellement protégées sentent à nouveau tomber la pluie. C'est la métaphore, je pense, est plutôt juste. Et donc, les anti-vax, eux, ils sont irresponsables parce que les vaccins, ils n'ont jamais prétendu avoir une efficacité à 100%, contrairement à ce qu'ils prétendent et ce qu'ils affirment auprès des personnes qui posent des questions et du coup qui finissent par les croire. Par contre, les vaccins, pour eux, on sait que la balance bénéfice-risque, elle est excellente. Et ça, on est sûr. Pour, en tout cas, la majeure partie d'entre eux qui sont obligatoires. Et c'est pour ça que ceux qui ne sont pas obligatoires en France, on ne les administre pas systématiquement parce que leur balance bénéfice-risque n'est pas aussi excellente que ceux qui sont obligatoires. Bref, sachant du coup que les vaccins ne sont pas efficaces chez 100% des patients, entendons-nous bien. Je suis pro-vaccin et je dis bien que les vaccins ne sont pas efficaces chez 100% des patients parce qu'on le sait, on n'est pas en train d'affirmer le contraire. Le parapluie vaccinal, il va permettre ainsi de protéger les personnes qui ne sont pas réceptives au vaccin, qui ne déclenchent pas de réponse immunitaire dès lors qu'on leur administre un vaccin. Et donc ainsi, grâce aux antivax, les personnes avec une immunité plus faible sont moins bien protégées et les virus peuvent ainsi trouver des nouvelles hôtes pour pouvoir se reproduire, pour les contaminer et ainsi se répandre un petit peu plus. C'est ce qui se passe en ce moment avec la rougeole. Je suis désolé mon cher Jean-Jacques, mais tu sembles quand même bien mal connaître le principe de la vaccination, et c'est dommage pour quelqu'un qui parle de santé. Oui, mais enfin, quand même, l'immunité de groupe. Hein, qu'est-ce que vous faites de l'immunité de groupe?
Il faudrait que tout le monde, 100% des gens, portent des masques, bordel. Donc, je vous demande de dénoncer ceux qui ne portent pas des masques, de dénoncer les commerçants qui ne font pas respecter le port du masque. Non, mais c'est vrai, c'est à cause de gens comme ça qu'on va tous mourir. Qu'est-ce que vous pourriez faire encore? Agressez-les. Culpabilisez-les, oui. Alors, c'est marrant, il dit agressez-les. Il me semble que dans les faits divers, les cas d'agression qui ont été portés publics, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a peut-être pas eu dans l'autre sens, mais en tout cas, ceux qui ont été portés publics dans les faits divers, sont généralement des cas de personnes qui ont demandé effectivement à porter le masque, mais généralement, la réponse agressive s'est faite par ceux qui ne voulaient pas les porter. A priori, ceux qui ont demandé de porter des masques n'ont jamais agressé de personne. Ça demanderait vérification. Je ne veux pas l'affirmer de façon péremptoire comme ce que fait Jean-Jacques, mais ça mériterait vérification. On continue, parce que, enfin, il parle de culpabiliser les gens qui ne portent pas de masque. Alors c'est à se demander, lui, à la façon dont il le dit, s'il n'a pas été victime lui-même de culpabilisation à un moment ou à un autre. Et puis, comme le disent nos amis véganes, alors je dis nos amis véganes, hein, c'est pas du tout de la condescendance ou du mépris envers les véganes, j'ai absolument rien contre, mais j'ai déjà entendu ce discours-là dans leur bouche. Si tu culpabilises, c'est pas la personne qui te fait la remarque qui a un problème, c'est que tu réalises que quelque chose ne va pas chez toi. Je laisse les gens interpréter de la façon dont ils veulent. Mais bon. Pour en revenir à Jean-Jacques, dans la plupart de ses discours, il aime bien lui culpabiliser les gens, justement, qui commencent à croire en ce qu'il dit, pour que ces gens se rendent compte qu'ils ont tort de faire ce qu'ils font, et pour qu'ils adhèrent plus facilement à ce qu'il dit. Donc schématiquement, ça donne ça. J'avais tort de croire que le masque était une arme efficace. Je m'en veux d'avoir fait la remarque à quelqu'un. Avec ce que me dit Jean-Jacques, je réalise qu'il faudrait que je fasse autrement. Culpabilité et prise de décision autre. Jean-Jacques donc dénonce ici une pratique qu'il fait lui-même, c'est de la malhonnêteté intellectuelle pure et dure. Voilà, ça c'est un excellent jeu de pouvoir, ça, c'est culpabilisez-les. Dites-leur qu'à cause d'eux, vous allez tomber malade. Ça c'est bon ça. Et ben, j'espère aussi que vous avez déjà téléchargé l'application Stop Covid, enfin ou l'équivalent dans votre pays. Alors, je reviens pas dessus, parce que en France, en tout cas, c'est un flop total. Mais bon, continuons. Et que vous avez été vous faire déjà tester pour pouvoir arborer fièrement le fait que vous êtes séro-négatif au Covid-19. Parce que les tests, bien entendu, sont fiables à 100%. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Et il faut absolument que vous ayez votre laissez-passer. Alors, encore quelques précisions là, parce qu'il parle des tests. Je ne sais pas s'il parle précisément à ce moment-là des tests. Enfin, il parlait des tests sérologiques, mais après, quand il dit les tests sont fiables à 100%, je ne sais pas s'il parle seulement des tests sérologiques ou s'il parle aussi des PCR. Si je dis ça, c'est parce que moi-même, j'avais un rhume l'autre jour, et donc par précaution, j'ai été faire un test PCR. Et du coup, bah, je peux affirmer que personne ne dit que ces tests sont fiables à 100%. Les limitations de ce test sont indiquées noir sur blanc sur le compte-rendu. Je vais même vous le montrer ici. J'ai pris soin de masquer toutes les informations que vous n'aviez pas à voir dans ce rapport, parce que bon, j'ai des informations personnelles qui sont sur ce document. Mais voyez que j'ai le résultat d'un test PCR. Et donc, qui a conclu à l'absence de SARS-CoV-2, donc j'étais plutôt soulagé. Les principales limites du test, risque de faux négatifs, sont... un prélèvement trop tardif, sensibilité maximale avant J10 du début des symptômes. Si suspicion forte, réaliser une sérologie. Un prélèvement au stade d'infection respiratoire basse. Réaliser un prélèvement profond, LBA ou aspiration bronchique si nécessité absolue. Et enfin, un prélèvement mal réalisé, pour rappel, enfoncer l'écouvillon de 5 à 10 cm au niveau du nasopharynx donc, et faire au moins 4 ou 5 rotations complètes. Pour la petite anecdote, quand j'ai passé le test PCR, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très agréable, donc je vois pas pourquoi j'irais me forcer à faire ce test pour montrer patte blanche et tout ça. Non, il n'y a pas besoin, mais je l'ai fait vraiment pour m'assurer que je n'allais pas contaminer mon entourage quand je lui rendrai visite.
Et donc pour la petite anecdote, disais-je, donc comme je disais, c'est pas très agréable et on a facilement les yeux qui pleurent au moment où il y a le petit écouvillon qui fait sa petite rotation, enfin quand l'infirmier ou l'infirmière fait le prélèvement et fait des rotations. Et donc l'infirmière qui a fait ça, elle a retiré l'écouvillon, elle a dit ça vous a fait pleurer, donc moi j'étais en train de dire oui, et puis elle a dit bah ça tombe bien, ça veut dire que j'ai bien réalisé mon test. Et elle a bien effectué effectivement un certain nombre de rotations. Bref, tout ça pour dire les infirmiers et infirmières savent quand même ce qu'ils font et que, visiblement, elle avait fait quand même un bon test. Mais ça, c'était pour la petite anecdote. On continue. Juste avant de continuer, l'application ou même le fait de montrer patte blanche comme quoi on n'a pas le Covid-19 avec un test, ça constitue pas un laissez-passer en soi. Hein. Vous n'êtes pas persona non grata dans des lieux publics. Hein. On continue. Voilà. Et puis, si vous voulez vraiment contribuer à l'effort de guerre, puisque nous sommes en guerre, hein, regardez, d'ailleurs, War Room, hein, c'est la salle de guerre. Ouais, bon, je sais pas quel rapport avec son t-shirt, mais bon, admettons. Nous sommes en guerre, il fait allusion donc au discours de Macron quand il a annoncé le confinement en France. C'était une communication assez bancale, hein, on peut le reconnaître, hein, on n'est pas, enfin je veux dire, moi je suis pas du tout pro Macron, pro LREM et tout ça, loin de là. Je dois reconnaître que en dehors des problèmes de masques et de tests en début de confinement, ils ont quand même pas trop mal géré la crise, en tout cas peut-être mieux que dans d'autres pays. Mais bon, ça de toute façon on tirera les conclusions que quand la crise sera suffisamment finie, hein, parce qu'on sait pas si elle sera finie un jour, mais quand elle sera suffisamment terminée, pour pouvoir tirer des conclusions et faire des bilans. Bref, c'était donc une erreur de communication qui date du début du confinement. Il faudrait donc que Jean-Jacques songe à se baser sur des faits plus récents, parce que les situations, elles évoluent de jour en jour, et c'est malhonnête de se baser sur des faits, sur des choses qui datent, en sachant que c'est pas le temps qui fait l'obsolescence d'une information, mais le nombre d'informations vérifiées qui sont arrivées depuis qui compte. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand j'entends tous les gens dire oui, mais au début, on nous disait que porter un masque, ça servait à rien. Aujourd'hui, on nous force à en porter un. Oui, mais sauf que notre regard sur la situation, elle a changé. Et donc aujourd'hui, si on recommande de le faire, c'est parce qu'on sait que ça permet de protéger les autres. On continue. Nous sommes en guerre contre un virus et nous allons gagner cette guerre. Mais nous allons gagner cette guerre si tout le monde s'y met. Donc, vous êtes au courant probablement que il y a des tests qui sont en cours actuellement, des tests sur des humains, puisque évidemment on doit raccourcir le temps de développement du vaccin. Donc pour raccourcir ce temps de développement, on ne va pas se permettre le luxe de perdre 3 à 5 ans à faire des tests sur des animaux, alors qu'il y a urgence. Alors, je vais revenir sur les animaux, ce que j'ai fait quelques notes après, mais déjà il parle de raccourcir le temps de développement d'un vaccin. Alors, interprétation personnelle de ce qu'il est en train de dire, donc je sais pas si c'est ce qu'il veut dire vraiment, mais pour moi, il sous-entend que faire arriver un vaccin plus rapidement sur le marché, ça fera les affaires du grand Big Pharma. Jean-Jacques, il est encore sarcastique hein, dans tout ça, parce que quand il dit qu'il y a urgence, il suffit de voir qu'on est aujourd'hui à quand même, à l'heure où je vous parle, à 770 000 morts, si je ne dis pas de bêtises, du Covid, dans le monde, pour ne pas en douter quand même, hein. Jean-Jacques, il utilise une courbe dans toute sa vidéo, on va la revoir là prochainement, celle du Québec. Je vais laisser la vidéo tourner et je reviens sur cette courbe parce regardez qu'elle doit pas... Regardez la courbe doit... des morts. Voilà, elle est là. Cette fameuse courbe. Donc, il a utilisé cette courbe tout à l'heure pour justifier ses propos. C'est celle du Québec, qui s'étale de mi-avril à mi-juin. On est quand même dans la deuxième moitié du mois d'août à l'heure qu'il est. C'est extrêmement malhonnête de sa part parce que cela ne représente pas la situation globale, mais celle d'une seule région dans un seul pays. Qui plus est, le graphique indique explicitement, vous pouvez le voir en haut là, que les chiffres les plus récents peuvent être réévalués à la hausse parce que les données ne sont pas toutes consolidées. Il parle de 1 ou 2 morts, mais on n'a même pas l'échelle de ce côté-là, là, du graphique. Alors, pour vous, la vidéo, elle est un petit peu croppée sur les bords, mais si vous la retrouvez, cette vidéo... parce que je ne partagerai pas le lien pour ne pas propager de la désinformation non plus. Vous avez déjà la vidéo en tant que telle, mais si jamais vous la retrouvez, vous verrez qu'il n'y a pas d'axe désordonné. Donc,
Si ça se trouve, la donnée qui est ici, je sais pas, c'est peut-être 1000 et ici c'est 100, on n'en sait rien, on sait pas à quoi correspondent les couleurs. C'est très très malhonnête de partager un graphique comme ça, qui dit en plus que les données qui sont incluses dedans, elles peuvent être recalculées. Donc ne vous fiez pas à une chose pareille, c'est extrêmement malhonnête de sa part. On continue. Jusqu'au mois de juillet, depuis le 1er janvier 2020. Vous voyez, écoutez, il y a urgence là. Il y a urgence. Donc, portez-vous volontaire. En plus, ça rapporte bien. Hein. Les volontaires là, pour les tests médicaux, ça vous rapporte des milliers d'euros ou des milliers de dollars. Donc, si vous voulez arrondir vos fins de mois, allez-y. Vous allez contribuer à l'effort de guerre. Alors, petite précision, il dit là que les personnes gagnent de l'argent en se portant volontaire pour tester un vaccin. Ça demande vérification parce que je ne suis pas sûr de ce que je vais dire et je vous le dis. Voilà, je ne fais pas comme lui affirmer des tas de choses comme ça sans demander des vérifications, sans donner des sources ou des preuves et tout ça. Si je trouve une source de ce que je vais avancer, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Mais notez bien qu'il me semble qu'en France, se porter volontaire pour tester un vaccin ou un médicament, c'est bénévole. Il y a bien des tests cliniques qui sont réalisés par je ne sais plus quel organisme et qui sont rémunérés, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'en France, tester un remède, c'est un essai qui est bénévole. J'en mettrai pas ma main à couper, n'hésitez pas à redire dans les commentaires si je me trompe. Par ailleurs, le vaccin, il est d'abord testé sur des populations, si je ne me trompe pas là non plus, en France, ils ont prévu d'abord de l'administrer à des populations comme les militaires, ensuite il sera étendu au personnel en première ligne comme le personnel soignant, puis aux populations à risque et enfin à tout le monde. Donc, on peut pas se porter volontaire comme bon nous semble. Quoi qu'il en soit, si ça peut faire avancer la science avec ce que l'on sait sur les vaccins, et en sachant que lui, qui est un anti-vax notoire, ne pense pas comme étant vrai, allons-y, hein, faisons avancer la science, c'est essentiel. Ça me semble essentiel. En prêtant votre corps, en fait, pour être les cobayes des entreprises pharmaceutiques qui nous ont toujours démontré leur bienveillance à l'égard de la santé des populations. Alors, je reviens sur ce qu'il dit là, parce que c'est quand même leur objectif principal de s'occuper de la santé des populations. C'est une interprétation personnelle encore une fois, mais il sous-entend qu'il y a déjà eu des scandales sanitaires par le passé. Et c'est vrai. Alors, or, pour un scandale qui a fait du bruit, c'est normal, hein, parce que les médias, ils savent que ça fait réagir et que même sans parler de sensationnalisme, c'est important d'informer les populations sur ce genre de dérive, hein, pour pas que ça se reproduise. On est dans une démarche d'amélioration constante, pas de reproduction des erreurs du passé, entendons-nous bien. Donc, pour un scandale qui a fait du bruit, il y a des millions de médicaments qui ne posent pas de problème aujourd'hui. Hein. On n'est pas... dans les officines, on n'en voit qu'une petite partie. Hein. Mon Dieu, je viens de dire officine, dans les pharmacies. On dirait bien donc que Jean-Jacques est aussi sensible que tout un chacun aux informations des médias qu'il qualifie lui-même de mainstream. Hein, quand on parle par exemple du Levothyrox, des scandales qu'on a pu entendre effectivement pendant un bon moment dans les médias ces dernières années, autour de médicaments, c'était 1, 2, 3 remèdes, 4 peut-être, je sais plus, face aux millions de médicaments qui existent. Donc c'est complètement malhonnête là encore une fois, parce qu'il écoute que les informations qui va dans son sens, et il nous prouve encore une fois qu'il est quand même extrêmement mal informé. On continue. Vous allez enfin faire plaisir à Bill Gates qui ne ménage pas ses efforts pour sauver l'humanité. Bill Gates. Entre ça et la 5G, quand même, on est quand même vachement bien servi en termes de complotisme. J'aimerais bien savoir pourquoi d'un seul coup Bill Gates, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans à la fin? Parce que le mec, ok, il est multimilliardaire. Grâce quand même à un OS qui est largement répandu dans le monde, il a déjà tout ce qu'il veut, le gars. Pourquoi il chercherait à se faire de l'argent sur le dos de la santé publique? Personnellement, je trouve ça absurde. Démontrez-moi que ça ne l'est pas. Et quand bien même, il est certainement bien mieux renseigné sur le sujet que Jean-Jacques, vu qu'il a déjà participé à vouloir protéger des populations défavorisées de maladies qui les déciment. Et donc, quand bien même, encore une fois, est-ce qu'un milliardaire n'a pas le droit de ne plus savoir quoi foutre de tout son fric et de se dire « Tiens, si j'allais faire une bonne action ?»
C'est pourquoi leur prêter tout le temps des mauvaises intentions? Je veux bien croire qu'il y ait des gens qui soient qui gobent le fric, voilà, et puis qui sont toujours à la recherche de faire du profit. Ça a peut-être été le cas de Bill Gates, mais je pense que ça le concernait plus quand il s'agissait de Microsoft, plus que de la Bill Gates et Melinda Gates Foundation. Et d'ailleurs, hein, il montre aussi qu'il connaît quand même assez mal Bill Gates, hein, qui, quand il s'est lancé dans l'informatique, il était quand même loin d'être comme son homologue Steve Jobs du côté d'Apple, et il cherchait absolument pas une espèce de culte de la personnalité comme le faisait Steve Jobs. Même si les gens changent avec le temps et avec l'argent qu'ils gagnent, que bon, à l'époque, il avait certainement pas la fortune qu'il a aujourd'hui, je me laisse le droit de croire, de penser que Bill Gates, il a su garder une petite part d'humilité et d'humanité. Sinon, il n'aurait pas lancé sa fondation et je pense qu'il se serait lancé dans des secteurs bien plus lucratifs. Et d'ailleurs, hein, il suffit de voir que, en dehors des sphères complotistes, on entend quand même beaucoup moins parler aujourd'hui de Bill Gates que d'un Elon Musk, par exemple. Donc, si c'était quelqu'un qui voulait se mettre sur le devant de la scène pour montrer « Eh oh, regardez, moi, je fais plein de trucs, donnez-moi des sous », il s'y prendrait autrement. Et puis, le rapport entre Bill Gates et le Covid-19, de toute façon, il est quand même purement fantaisiste. Hein. C'est de l'ordre du fantasme de la part des conspis convaincus qu'il faut forcément un coupable central. Et apportez-moi la preuve du contraire, s'il vous plaît, je la veux, cette preuve. On continue. Et qui veut, quand même... Vous savez, moi, je me mets à la place de Bill. Ça doit pas être facile tous les jours pour lui d'avoir des gens qui le critiquent, qui soupçonnent sa bonne foi à travers sa fondation Bill et Melinda Gates. Non, mais c'est vrai, quoi. Il donne des milliards de dollars pour vacciner les populations nécessiteuses. Et il y a encore des gens qui ne trouvent pas mieux de le critiquer. Bah oui, parce que quand on est convaincu comme toi, Jean-Jacques, que les vaccins, c'est une vraie merde, forcément qu'on va le critiquer, Bill Gates. Maintenant, quand on sait que Bill Gates, voilà, c'était quand même une tête, même si la biologie est loin d'être son domaine, j'ai tendance à croire que quand on s'intéresse de près à un sujet scientifique et qu'on se laisse expliquer les choses par des personnes qui savent et qui ont fait les expériences et qui ont étudié les choses pendant de nombreuses années, quand on fait cette démarche d'honnêteté intellectuelle, contrairement à ce que toi tu fais, Jean-Jacques, forcément, on est quand même un petit peu mieux renseigné, un peu mieux informé sur la situation, et donc on peut plus facilement se dire qu'on va donner des millions pour vacciner des populations qui en ont besoin. On continue. Donc, écoutez, moi j'ai pas le temps, parce que sinon, pensez bien que j'irai faire les tests, j'irai me présenter comme cobaye, mais j'ai pas le temps, d'accord? Donc, allez-y, allez participer à ces études. Et vous allez voir, vous serez les premiers protégés contre ce méchant Covid-19. C'est bien ça, non? C'est voilà. Mépris total. Moi, c'est ce que... Incroyable. Ah oui, encore une dernière recommandation de grâce, ne m'écoutez plus, n'écoutez plus les lanceurs d'alerte, n'écoutez plus les médias sociaux. Vous le savez quand même, vous le savez maintenant que les fake news se trouvent du côté des médias sociaux. Alors, ne m'écoutez plus, n'écoutez plus les lanceurs d'alerte. Non, c'est sûr qu'on ne va pas écouter ceux qui se qualifient comme lanceurs d'alerte, parce que les lanceurs d'alerte, généralement, enfin par le passé, ça nous a montré quand même que ça n'a jamais été quelque chose qui a porté ses fruits. Alors, il y a eu quand même quelques lanceurs d'alerte type Edward Snowden qui ont montré des pratiques cachées, parce que je ne suis pas en train de dire que les complots n'existent pas, hein, entendons-nous bien, mais par contre, on est d'accord que sur des choses qui touchent à la santé publique, où les gouvernements essaient d'être les plus transparents possibles pour, on va dire, quand même informer la population, parce que ça touche tout le monde, et qu'il y a, on va dire, qu'il y a quand même des vies en jeu, c'est pas juste du vol de données comme du côté d'Edward Snowden, hein, là il y a vraiment des vies en jeu. Il y a un effort de transparence qui est fait, et donc les lanceurs d'alerte qui sont là, ils ne valent pas grand-chose, donc c'est sûr qu'on, quand on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, et quand je dis faire preuve d'honnêteté intellectuelle, ça ne veut pas dire juste écouter les sources officielles, ça veut dire écouter tout le monde, et essayer de savoir qu'est-ce qui est le plus fiable dans tout ce qu'on nous dit, les lanceurs d'alerte, ils ne valent pas grand-chose, ils font pas le poids. Je suis désolé Jean-Jacques, tu fais pas le poids. Et donc les fake news se trouvent sur les médias sociaux. Alors j'ai noté plusieurs choses, donc je vais reprendre mes notes quand même une par une. Disons que, voilà,
on n'a pas de raison de croire quelqu'un qui affirme tout un tas de choses devant sa caméra sans apporter la moindre preuve de ce qu'il avance. Moi, les preuves, Jean-Jacques, quand je vois cette vidéo, quand je tombe sur ta vidéo, bah, je les attends toujours. Et je rappelle qu'une preuve, c'est pas juste une capture d'écran d'un titre, d'un document comme ce que tu as fait tout à l'heure, ou un graphique qui a été tronqué sur le côté pour masquer les coordonnées du graphique. Une preuve, hein, c'est un élément qui est construit sur des bases solides, honnêtes, et qui peuvent être vérifiables et reproduits, dans le sens où on peut conjecturer un résultat et vérifier que le résultat obtenu à partir des données initiales et de ce qu'on s'attend à observer, que ce résultat, il est correct. Et donc, pour en revenir sur les fake news qui se trouvent sur les médias sociaux, ils généralisent la pensée des personnes opposées à son discours. On est de l'ordre de l'homme de paille, là, quand même. Hein. En mettant, du coup, dans leur bouche que les médias sociaux sont tous vecteurs de toutes les fake news. C'est faux. Il y a des médias fiables, il y a des pages fiables, il y a des réseaux fiables qui sourcent leurs informations et notamment qui se contentent aussi d'exposer les faits pour les plus rigoureux d'entre eux. Pas seulement faire du sensationnalisme, du putaclic et tout ce qu'on veut. Et puis, bah, y a aussi des merdes comme cette vidéo, j'ai pas peur de le dire. Le problème, c'est que c'est pas l'outil qu'on doit incriminer, mais bien ce que les gens en font. C'est-à-dire qu'un marteau, vous pouvez vous en servir pour taper un clou, vous pouvez vous en servir pour taper sur quelqu'un. Bah, y a la bonne utilisation du marteau, il y a la mauvaise utilisation du marteau. On continue. Donc, désabonnez-vous de toutes les pages Facebook, désabonnez-vous de toutes les chaînes YouTube. YouTube, et oui. Pluguez-vous 24 heures sur 24 sur les chaînes de médias officielles. Alors, c'est marrant parce que ça, c'est, je rajoute une note par rapport à tout ça. C'est que moi, la majorité des informations que j'ai prises, on va dire, il y a eu entre 20 et 30% d'informations que j'ai prises sur le Covid-19, le confinement, le port du masque et tout, que j'ai pris en regardant la télé, et même pas BFM comme tous les conspis vont dire « Ouais, retourne regarder BFM TV, je ne regarde jamais cette chaîne. » En tout cas, c'est très 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 rare quand je tombe dessus. On va dire qu'il y a 20 à 30% des informations que j'ai prises en regardant les informations à la télé, en mangeant le soir, voilà. Et le reste des informations, j'ai tout lu sur Internet, j'ai tout regardé à partir de personnes, de témoignages, d'infirmiers, de personnes qui sont confrontées au coronavirus aujourd'hui, voilà, des vidéos de gens qui en parlent, qui parlent d'études, qui parlent de toutes ces choses-là, de tout ce qui a fait du bruit pendant le confinement. La majorité des informations que j'ai prises, ça a été sur Internet. Donc, parce que notre cher Jean-Jacques, il va dire « faites confiance aux professionnels ». Je le laisse le dire et je reprends mes notes après. Faites confiance aux professionnels. Voilà. Donc, si j'ai besoin de réparer ma voiture... Je me dis que ça ferait quand même un sacré gimmick, ça, ce « faites confiance aux professionnels ». Faut savoir que si j'ai besoin de réparer ma voiture, je préfère effectivement faire confiance à un professionnel. C'est plus prudent. Et ben pour la santé, c'est pareil. Je fais confiance aux professionnels, aux gens qui savent faire, qui ont ce savoir-faire, qui ont fait des études pour. Pour ce qui est des médias officiels, hein, les gens qui ont une démarche d'honnêteté intellectuelle, comme ce que je fais du coup, ne vont pas chercher constamment à prouver qu'elles ont raison en cherchant la moindre info qui va dans son sens. Hein. C'est ce que fait Jean-Jacques, hein, d'ailleurs. Non. Et je fais précisément l'inverse ici. Je confronte ce que je sais, pas ce que je crois, hein, c'est différent, mais ce que je sais, à des avis contraires. À savoir la vidéo de Jean-Jacques aujourd'hui. Et par le passé, j'ai déjà changé d'avis sur tout un tas de sujets quand j'ai jugé que les preuves qui m'ont été apportées étaient convaincantes. Alors comment j'ai jugé ces preuves ? Simplement parce que les personnes que j'ai écoutées ont eu une vraie rigueur dans leur travail de recherche et qu'elles ont apporté des sources à leurs informations. Je peux malheureusement pas passer 100% du temps à tout vérifier, c'est humainement impossible pour personne. Il suffit de voir qu'il me faut plus d'une heure maintenant, et là on est à 1h15 de vidéo, il faut plus d'une heure pour démonter une vidéo de 15 minutes. C'est l'effet Brandolini que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est pourquoi, de temps en temps, de façon aléatoire, quand j'ai envie de vérifier quelque chose qui me paraît un peu extraordinaire, un peu incroyable, bah je suis les sources qui me sont données. Je lis les études, parce que oui, j'ai appris à lire une étude scientifique, je suis encore loin d'exceller dans le domaine. Mais du coup, quand je me retrouve devant des faits incontestables, avec des conclusions qui me semblent tout à fait logiques, parce que il y a un échantillon suffisamment grand, parce que le protocole proposé semble suffisamment fiable, on peut remettre tout ça en question, hein, c'est ce que fait la science tous les jours, c'est pas mon métier à moi. Mais en tout cas, on peut remettre tout ça en question. Mais du coup, bah, si jamais on me présente des faits qui sont incontestables, et qu'il y a suffisamment d'études qui viennent me prouver ça,
eh ben je changerai d'avis. J'irai voir notamment le fameux, j'ai oublié son nom, ça y est maintenant, le fameux docteur, le professeur, je sais plus, qui disait que le virus pouvait traverser les océans. Visiblement, il a fait une méta-analyse d'après ce que disait Jean-Jacques Crèvecoeur. Si jamais les méta-analyses me semblent fiables, et puis si Jean-Jacques ne l'a pas interprété à sa sauce, bah peut-être que je vais réviser un petit peu mon jugement, mais je vais aller lire aussi dans ce cas d'autres études qui pensent que le masque est suffisamment efficace et que le virus il fait pas des road trips aux États-Unis et avant d'arriver en Europe ou je ne sais quoi, pour m'assurer quand même de la fiabilité de tout ça. Et enfin là, bizarrement, avec tout ce que j'ai pu dire, mine de rien, Jean-Jacques il me convainc pas, hein. Pourtant j'ai fait la démarche d'écouter et je suis en train de faire la démarche d'analyser ce qu'il dit et comment il le dit. On n'a plus grand chose de cette vidéo, on arrive au bout. Donc allons-y, écoutons-le. On a bientôt fini, je vous le dis. Personne d'autre. Ça va? Voilà. Et comme ça, au moins, on va remettre de l'ordre dans ce foutoir et dans ce bordel. Ouais, ça serait pas mal. Voilà l'information que je voulais vous donner, mes chers moutons, mes chers pigeons, mes chères autruches, ou alors mes chers moujons, ou mes chers pitruches, ou mes chers moutruches. Vous voyez, toutes les combinaisons sont possibles, mais donc, allez-y. Vous savez, on qualifie souvent les personnes qui essayent de faire une démarche d'esprit critique comme étant condescendantes simplement parce qu'elles font preuve d'une démarche beaucoup plus rigoureuse et que des fois, effectivement, elles n'ont peut-être pas l'humilité de dire de ne pas s'afficher à dire regardez moi je fais mieux que les autres. Et malheureusement ça arrive. Et je pense que toutes les personnes qui font preuve d'esprit critique essayent de faire en sorte que ça ne soit pas le cas tout le temps. Peut-être que c'est ma situation aujourd'hui. Peut-être que vous m'avez trouvé un peu arrogant, un petit peu méprisable sur la démarche que j'ai aujourd'hui. Je tiens à vous garantir que ma démarche aujourd'hui était simplement de contrebalancer les propos de Jean-Jacques Crèvecoeur. Mais on pourra quand même noter que je ne l'ai jamais insulté directement lui, ce que lui est en train de faire, en train de traiter les gens de pigeons, moutons, autruches, moutruches, pitruches, ou je ne sais quoi, enfin bon bref, peu importe. C'est quand même incroyable de s'adresser à des personnes qu'il voudrait convaincre, de le faire en commençant et en finissant par les insulter. À quel moment il veut être convaincant? Je ne sais pas ce qu'il cherche à faire, mais c'est incroyable. La vidéo se termine. Je crois qu'on est bien parti. Et rappelez-vous ce que George Orwell disait dans 1984, l'ignorance, c'est votre force. Alors, visiblement, c'était pas une vidéo de Donald Trump qui était suggérée. Visiblement, c'est pas l'ignorance, c'est votre force, et l'ignorance, c'est la force. Je ne connaissais pas vraiment cette citation, je l'avais déjà entendue, je ne sais pas qu'elle était de George Orwell. Ce que j'aimerais bien par contre savoir, c'est dans quel contexte elle s'inscrit, cette citation, pour être sûr que Jean-Jacques ne soit pas en train de faire du cherry picking. Donc j'irai me renseigner là encore, je vais pas le faire maintenant parce qu'on est déjà à 1h20 de vidéo et il me reste à la conclusion à faire. Donc je vais pas aller vérifier maintenant, je vous laisserai le soin à vous aussi de vérifier pourquoi George Orwell a dit ça et qu'est-ce que ça voulait dire. Et du coup, pour s'assurer que Jean-Jacques n'est pas en train de faire tout simplement de la réutilisation de citations sans vraiment comprendre ce que cette citation veut dire réellement. Vous savez, c'est un petit peu comme les gens qui réutilisent tout le temps la citation de des proches qui dit on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et en fait, cette citation, elle est extrêmement mal comprise par les gens parce qu'ils pensent qu'en fait, ils pensent que ça permet aux gens de pouvoir rire de tout, donc de pouvoir faire des blagues racistes, homophobes et tout ce qu'on veut, alors qu'en réalité, ce que Desproges disait, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, ça veut tout simplement dire l'exact inverse. Faudrait que je retrouve l'article qui en parlait, si je le retrouve, je le mettrai encore en barre d'infos, mais c'était pour dire tout simplement cette citation, voilà, on peut pas piocher des citations comme ça juste parce que ça nous arrange, il faut savoir dans quel contexte elles s'inscrivent. Donc faisons une petite conclusion là-dessus. Alors je suis pas plus scientifique que lui, je l'ai dit en début de vidéo, je le redis maintenant, mais j'ai quand même une curiosité naturelle qui fait que je m'intéresse à beaucoup de choses, et notamment les questions de santé. Je prétends pas en savoir plus que lui, juste savoir mieux évaluer ce qui peut être une vraie ou une fausse information,
sur la base de tout ce que j'ai pu vous expliquer dans cette vidéo. Le fait d'avoir des sources d'informations, le fait de ne pas interpréter à sa sauce, de ne pas faire du cherry picking, etc., etc. Je n'ai aucune intention de faire peur à qui que ce soit en ce qui concerne le coronavirus. J'irai même plus loin. Contrairement à Jean-Jacques, je n'ai absolument rien à vous vendre. Cette vidéo n'est absolument pas monétisée d'ailleurs. N'oublions pas que Jean-Jacques, si vous voyez des pubs, ça voudra dire que YouTube en a mis, mais en tout cas, moi je toucherai 0 centime là-dessus, soyez-en certains. Mais par contre, lui, Jean-Jacques Crèvecœur, lui, il vend des formations, comme je l'ai dit tout à l'heure, en développement personnel et tout ça. Il est dans la sphère très proche de Thierry Casasnovas qui vend ses jus de fruits pour soi-disant lutter contre le cancer, etc. etc. Et donc, bah, il est là pour vous convaincre dans ses vidéos que ce qu'il dit, il a raison et que bah, derrière, il peut vous vendre des formations, des choses comme ça. Il faut pour ça que vous soyez convaincu par ce qu'il dit. Donc sa démarche n'est pas tout à fait altruiste comme il pourrait laisser l'entendre. Et d'ailleurs, bah, du coup, c'est par contre une démarche qui est complètement irresponsable parce que même si Jean-Jacques Crèvecœur n'est pas complètement conscient de ce qu'il fait, parce que c'est avec une démarche telle que la sienne, pardon, je m'embrouille dans mes notes, mais ce que je voulais dire, c'est avec une démarche en tout cas telle que la sienne que la santé publique, elle est aujourd'hui en danger et que de plus en plus de personnes doutent de la fiabilité des sources officielles. Et donc là, j'invite, de la même manière que Monsieur Sam l'a fait sur sa chaîne YouTube, j'invite tous les scientifiques qui, eux, ont vraiment fait des études et travaillent tous les jours sur les sujets dans lesquels ils sont experts, à ouvrir une chaîne YouTube et à poster une vidéo de temps en temps pour expliquer ce qu'ils font. C'est plus qu'essentiel aujourd'hui. Et donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est très sain de douter. On est bien d'accord. Si je croyais aveuglément les gouvernements, les scientifiques et tout ça, que je cherchais même pas à prêter de l'intérêt à des vidéos comme celle de Jean-Jacques Crèvecœur, je ne douterais pas. Voilà, je ferais une confiance aveugle. Et ça, c'est malsain. Donc non, c'est sain de douter. Et j'essaie du coup constamment, comme ce que j'ai fait dans cette vidéo, de mettre mes convictions, mon savoir en défaut pour m'assurer que ce que j'ai appris est suffisamment fiable. Ou alors, dans ce cas, je réajuste mon curseur de certitude pour essayer de mettre un petit peu plus de vérité dans tout ce que je sais. Donc c'est très sain de douter, mais douter ne veut pas dire croire aux versions alternatives de la réalité comme beaucoup de conspies aimeraient vous laisser l'entendre croire. Mais cela veut dire, du coup, douter, ça veut dire examiner les faits, faire confiance à ceux qui savent mieux que vous pour savoir comment les interpréter, en discuter avec eux, les interroger sur leurs propres convictions, faire preuve de curiosité pour savoir comment ils en sont arrivés à leurs conclusions. Et ça, c'est valable pour tout le monde, scientifiques comme les personnes convaincues. Vous verrez que si vous questionnez les gens sur leur démarche qui les a amenés à vous affirmer ce qu'ils savent, vous verrez qu'il y aura des remises en question des deux côtés. C'est ce qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, l'entretien épistémique. C'est ce qu'il y a de plus sain pour essayer de soulever les endroits où il y aurait peut-être une petite erreur d'interprétation, et puis comme ça on réajuste, on retravaille, on va vers plus de vérité. Donc je le dis, hein, si demain le gouvernement, je tiens à le dire pour prouver quand même que c'est une honnêteté totale de ma part, si demain le gouvernement nous dit bah finalement ne portez pas le masque, regardez ce que les scientifiques en pensent et qu'il y a suffisamment d'études fiables sur le sujet pour dire que bah, porter le masque ça peut être nocif, que ça sert à rien, etc., bah, je pense que je serai le premier, ou en tout cas dans les premiers, à retirer le masque parce que j'ai suffisamment confiance en la science qui a permis toutes ces avancées depuis plusieurs siècles. C'est pas négligeable. Et donc en attendant, bah, tâchez de ne pas faire confiance aux discours séduisants et aux gens qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre dans des vidéos comme celle-ci. Beaucoup de gens tapent sur l'OMS et les institutions de santé pensant que tout ça n'est qu'une histoire de gros sous. Et un complot, sauf quand même qu'un complot aussi énorme, bah, c'est juste grotesque. Il y a quand même des millions de personnes, et notamment de scientifiques, qui seraient en jeu dans tout ça, et bizarrement, il n'y en a jamais un qui s'est dit oh, « je vais révéler tout au grand jour ». Non, 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 et puis bah n'allez pas affirmer que du coup, il s'est fait fermer son clapet avant qu'on le sache, parce que bah venez nous le prouver, hein, dans ce cas. Et il faut savoir que voilà, ces scientifiques, ces médecins, ils ont fait des années d'études, ils travaillent tous les jours sur ces sujets-là, et je pense qu'il est plus raisonnable de faire confiance en ce que leur consensus dit plutôt que de faire confiance au premier type un peu subversif sur YouTube qui vient nous affirmer des choses péremptoires. Et si vous pensez le contraire, demandez-vous en quoi ce choix est raisonnable. Je vous dis à la prochaine, rendez-vous aussi à la rentrée des chacals, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Les Chacals aussi et à nous suivre sur les réseaux sociaux, notre chaîne Twitch en l'occurrence, Les Chacals. On va reprendre les lives d'ici fin septembre, début octobre.
Donc, je vous mets en tout cas toutes les sources et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À bientôt.